cette visite historique du président Abdel Fattah el-Sisi en Turquie, nous avons contacté son excellence madame l'ambassadeur Wafa Bassim, ancien ministre adjoint aux affaires étrangères. Bonsoir. Bonsoir. Votre Excellence en parle de cette visite au cours de laquelle le président Abdel Fattah el-Sisi et son homologue turc ont présidé la première réunion du Conseil de coopération stratégique de haut niveau entre l'Égypte et la Turquie, et également cela pour coordonner les positions des deux pays dans les dossiers qui secouent la région. Une visite historique qui vient vraiment encadrer les efforts de l'Égypte afin d'arriver à une stabilité dans la région, une nouvelle page qui s'ouvre entre les deux pays qui ont vraiment des relations enracinées, même s'il y a eu quelquefois un refroidissement de relations, mais ça recommence à prendre les bons rails. Selon vous, pourquoi cette visite s'avère importante actuellement dans le cadre de la situation géopolitique dans la région ? Je suis tout à fait d'accord sur l'importance de cette visite présidentielle en Turquie qui vient pour répondre à l'invitation que le président turc avait adressée à son Excellence le président el-Sisi durant la visite du président turc en Égypte février dernier. Et c'est durant cette visite qu'il y a eu l'accord de reviser, renouveler les termes de référence du Conseil de coopération stratégique, oui, que vous avez juste mentionné, oui, et qui a eu sa première réunion aujourd'hui même comme première activité des deux présidents durant cette visite à Ankara, et c'était pour prendre note de toutes les activités qui ont eu lieu, de l'évaluation de ces activités, de quel élan il fallait maintenant donner, quels sont les points les plus importants auxquels il faut donner une place avancée, disons, primordiale, ce qui, disons, constitue une vraie feuille de route pour ce nouvel élan que prend les relations égypto-turques. Oui. Il y a eu, comme vous l'avez dit, disons, un éloignement, un certain refroidissement, mais maintenant, disons, on est retourné sur une route pragmatique, une route qui tient compte de deux choses. L'importance que occupe les deux pays, mais surtout l'Égypte, dans son contexte régional, en vue de tous les événements, de toutes les crises politiques, mais aussi de toutes les aspirations des peuples de la région, oui, et la prise en compte de la Turquie, de cette importance égyptienne, et que la Turquie ne peut pas avoir une place de haut niveau dans la région, à moins qu'elle ne passe par le portail égyptien. C'est vrai. C'est vrai. Ça, d'une partie. Donc, on a eu cette première visite du président égyptien en Turquie, 10 ans après son accession à la présidence égyptienne, oui, et durant ce nouveau mandat du président. D'autre, oui, part, il y a cet intérêt maintenant de l'importance pour les deux peuples de la partie économique, commerciale, technique, tourisme,
industrie oui. et où plusieurs mémos de compréhension ont été signés en présence des deux présidents. Oui, 17 accords de coopération ont été signés aujourd'hui entre les deux parties. 17. Oui, justement, et comme je vous l'ai dit, j'ai énuméré les grands thèmes, les grands domaines de coopération qui va de la technologie, du tourisme, de la santé, de l'éducation, de la culture, de l'établissement d'une zone industrielle turque dans la nouvelle capitale. Oui. Nous avons aussi dans le domaine des chemins de fer, dans le domaine de l'agriculture, dans le domaine de la science et des sciences médicaux. Donc, vous couvrez tout un groupe, un grand éventail de domaines importants de coopération. Ça vient en parallèle avec le fait que cette coopération stratégique comprend aussi un chapitre politique et un chapitre de consultation oui. stratégique. Oui. Alors là, ce sont les relations bilatérales entre l'Égypte et la Turquie. Mais il y aura également une coopération en ce qui concerne la région. Il y a eu des pourparlers approfondis concernant les dossiers régionaux. Oui, certainement. Les deux présidents ont bien mis l'accent sur l'importance de leur échange de vues, de leur effort commun pour trouver des solutions aux problèmes brûlants dans la région. Nous parlons là d'abord de Gaza, oui. mais de Gaza aussi de la situation de la Palestine, puisque nous voyons maintenant que les opérations militaires israéliennes s'étendent de plus en plus au sein de la Cisjordanie, qu'il y a des déclarations extrêmement envenimées en ce qui concerne l'Égypte. D'autre part, nous avons aussi les problèmes en Libye, où la Turquie a une présence bien forte et où les deux pays ne voient pas toujours du même œil la situation de la Libye, mais ils sont bien d'accord qu'il faut trouver une solution. Oui. Il y a aussi les efforts d'un cessez-le-feu que l'Égypte avance de toute sa force en coopération avec le Qatar et les États-Unis, et où le président égyptien a expliqué à son homologue turc ce qui se passe, et d'autre part, oui. le président turc a présenté au président égyptien oui. les efforts que la Turquie essaye de faire entre les efforts de médiation entre l'Éthiopie et la Somalie. Oui, justement, le président Sisi a affirmé avoir discuté amplement avec son homologue turc Recep Tayyip Erdogan de la situation en Somalie et s'être accordé avec lui sur la nécessité d'œuvrer pour préserver l'unité et l'intégrité territoriale de ce pays de la Corne de l'Afrique. Certainement, il y a une importance stratégique primordiale pour l'Égypte. Oui. Et la preuve, la visite très récente du président somalien en Égypte et c'est pour parler avec le président égyptien, son excellence ici. Il y a eu aussi discussion la situation, disons, la sécurité
de l'énergie, mais aussi la sécurité de la Méditerranée. Oui. Il y a eu la discussion des développements politiques, militaires en Syrie. Donc, et puis n'oublions pas que très bientôt, il y aura l'Assemblée générale des Nations unies et qui porte aussi le cachet de la, du sommet du futur, disons. Donc c'est l'avenir de tout et de tout pays, mais nous sommes dans cette région les plus intéressés. Bien sûr, bien sûr. Et Votre Excellence, comment voyez-vous la réflexion de cet approchement bilatéral entre l'Égypte et la Turquie, surtout en ce qui concerne les relations économiques et commerciales, sur la stabilité dans la région? Écoutez, il y a une partie importante de cette visite et surtout des accords qui ont été signés, et le but que les deux pays se mettent d'aboutir à 15 milliards de dollars pour leur commerce et leur investissement, c'est un signe, disons, fictif, c'est un signe réel et non fictif de l'importance de l'Égypte, de l'investissement, d'attirer les investissements en Égypte, les investissements étrangers en Égypte, oui. Et que c'est un pays, l'Égypte est un pays qui attire les investissements et où et tout investisseur qui vient crée une situation de gagnant-gagnant. Oui. Puisque lui-même, il a une location stratégique extrêmement importante. Il y a le portail égyptien vers l'Afrique, que ce soit à travers le COMESA ou le grand accord de zone de libre-échange africain, oui. Ou vers les pays arabes et disons toute la région du Moyen-Orient. Oui. Donc c'est une situation de gagnant-gagnant. Il y a maintenant un grand développement d'infrastructures qui a eu lieu et que tout le monde apprécie, parce que vous dites investissement, il faut dire infrastructure. Oui. Madame l'ambassadeur Wafaa Bassim, vous êtes ancien ministre adjoint aux Affaires étrangères. Je vous remercie infiniment pour ces explications et juste une petite pause et on enchaîne avec notre couverture de cette visite historique du président Abdel Fattah el-Sisi en Turquie.